Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Aujourd'hui, ça va être une vidéo déballage Temu. J'ai pris pas mal de choses, je vous montre ça de suite. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ça. J'ai pris des stickers, j'ai pris des tampons, j'ai pris de l'encre. Alors, on va commencer par les stickers. Moi, en ce moment, j'adore les stickers. Les autocollants, là. J'en ai dans mes créations de scrap. J'en offre également dans mes commandes. Dans mes commandes. Et du coup, j'ai pris un ensemble de stickers. Alors, c'est quoi? C'est écrit. C'est que des mots. I try to be a rainbow in someone else's clothes. C'est écrit qu'en anglais, hein. D'accord? Ouais, c'est écrit qu'en anglais. Try. Always stay humble and keen. Voilà, restez humble. Today, I chose to be happy. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être happy, d'être be happy, lucky, never alone. Be positive. Tiens, j'avais déjà eu celui-là. Parce que celui-là, j'ai fait une cartoonette avec hier. Be positif. Voilà. Shows happiness. Good sin, texting. God. God is good. Voilà, ça, si on veut. Dream hard. Voilà. Donc, vraiment, c'est écrit qu'en anglais. C'est des petits mots en anglais. Des sentiments en anglais. Donc, c'est pas trop mal. Don't worry, be happy. Be real, be yourself, be unique, be true, be honest, be humble, be happy. Voilà. Home sweet home, hello words, in your ear, girl power, let your dreams be your wings, be king, life, live life happy, good vibe. Voilà, donc en fait c'est vraiment que des sentiments, mais tout en anglais, ça c'est pas très grave. Love you to the moon back, things, voilà. Donc voilà, j'en ai 50. Be happy. Donc ça, je vais m'en servir pour faire mon scrap. Alors, par contre, il va vraiment falloir que je trouve un endroit pour pouvoir mettre tous mes stickers. Ben, je pense que je vais me faire un petit truc pour pouvoir les mettre. Alors, ensuite, j'avais pris ceux-là de stickers. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Alors, ce sont des stickers. Ah, c'est sympa. Vous pouvez noter des trucs dessus. Voilà, ça fait un peu des tags comme ça. Wish list, date 1935, detail list. Il y en a 50, je crois. 50 ou il y en a 50. Et là, il y a une heure. Ça fait un peu des styles de timbre. Ça fait des listes. Voilà, ça fait des tags. Je pense qu'avec ça, je peux mettre ça pareil sur des... Ah, c'est sympa. Journée. J'aime bien. Sur des cartes, sur mes... Comment ça s'appelle? Mon art journal. Sur... voilà. Je pense que... D'ailleurs, il me manquait un tag pour mettre sur mon art journal. Parce que j'en ai fait un hier. Et il me manque un sentiment. Il manquait un truc. Donc voilà. Ceux-là, je vais les remettre dedans. C'est marrant, la petite pochette avec les petits nounours, là. J'aime bien. J'aime bien. Ok. Ensuite, alors, ça, donc, ce sont... Hop, je vais les mettre là. Dedans. Dedans. Bon, je trouve un endroit pour les mettre. Ou des pochettes, ou j'en sais rien. Ensuite, là, les tout petits. Ils sont tout petits, ceux-là. C'est quoi que j'ai pris? Ah oui, j'avais repris des petits chats. Oh, ils sont beaux dans les tons bleus. Trop choupi. Dans en fait, ce sont des chats dans des tasses, dans des bols. Trop sympa. Dans des verres. Ouais. Alors, je crois qu'il y en a, il y en a 30, je crois. Ou il y en a un peu plus, je ne sais plus. Ouais, ils sont sympas. Ils sont trop marrants. Ça, c'est pareil. Je vais pouvoir faire un truc super sympa avec. Même faire un moodboard avec.
sur le thème bleu comme ça et mettre les petits chats. Ah oui, je vois bien le truc. Ouais, je vois le truc. Donc ça, je vais utiliser assez rapidement. Je vais me faire un mood board petit chat. Hop, alors ça c'est pareil. Faut que je trouve des places pour mettre ça. Hop. Ensuite, j'ai pris ceci. Ce sont des horloges. Parce que j'aime bien aussi mettre des horloges, mettre un peu le temps sur les... horloges. Donc ce sont que des horloges. Donc voilà, il y en a, on a des jolies, il y en a des fleuries, il y en a qui font très vintage. Voilà. J'aime bien. Je voulais des horloges. Ben, j'ai des horloges. En stickers. Ouais, ce sont tous les mêmes. À peu près, voilà, le même style noir. Voilà. Des horloges. Ok. Allez. Donc ça fait 4 séries de stickers supplémentaires. Donc ça, les stickers là, vous pouvez les trouver. Peut-être que je pourrais vous en mettre quand je fais quand vous avez des commandes. Hein, en général, je mets ça. Ou je les garde pour faire mes créations de scrap. Alors, soit par contre papier poubelle. Ensuite, j'ai pris de l'encre brune. Elle paraît même plus or que brune finalement. J'ai pas un tampon dans le coin pour essayer. J'ai une petite feuille comme ça. Là, celui-là, j'utilise pas tout de suite. J'utiliserai après fois que je l'ai nettoyé. On va voir un petit tampon dans le coin. J'ai jamais utilisé ça. Ça fait or en fait. Ah oui, ça fait couleur brun. Mais... Alors vous voyez peut-être pas, mais ça fait doré en fait. Ouais, pas mal. Pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Ok, j'aime bien, je valide. Hop, arranger et je refrappe. Ouais, je valide. Donc très très bien, cette encre, elle me plaît bien. Donc du coup j'en ai noir comme ça et j'en ai. Celle-là, je l'avais achetée chez Cultura. J'ai mon téléphone qui fait du bruit à côté parce qu'on voit plein de messages en même temps. Donc je vais baisser le son de l'autre téléphone. Voilà, j'ai baissé ça. Et Cultura et celle-ci, donc je l'ai achetée donc sur Temu et je la trouve plutôt pas mal. J'avais hésité, mais finalement elle est vraiment bien parce que ça fait vraiment, ça fait un petit peu doré, ça fait un petit peu or. Ouais, donc vraiment très très bien. Ok pour cette offre. Ensuite, j'ai pris des tampons. Je sais pas, pareil, il faut que je trouve une pochette ou un truc pour les ranger, mes tampons, parce que je sais pas tout dans quoi les ranger. Alors, ça s'ouvre comment ce truc-là? Ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre pas. Incroyable. Ça ne s'ouvre pas. Ça s'ouvre. Alors, ce sont des livres. Ah, j'aime bien parce qu'en fait c'est hop, oh vache, ils sont vachement collés. Voilà, ce sont des livres. Alors j'ai pris donc une série de livres. Ça peut être vraiment sympa pour peut-être mettre un fond, si vous voyez, peut-être mieux comme ça. Super sympa pour faire du art journal, pour faire des cartes et tout. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Des livres. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tampons différents. Sur les livres, vraiment bien. Je vais juste remettre la pochette derrière correctement. Voilà. Alors j'ai pris les livres. Ensuite j'ai pris ça, des abeilles. Oh, j'adore les abeilles. Mais franchement, je trouve ça tellement, tellement beau. Tout ce qui est dessin à base d'abeilles, de tournesol, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ah, pareil, hein, je mets ça comme ça. Donc là, j'ai alors
crois. Je vérifie. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tampons. 9 tampons avec des abeilles. Ils sont chouettes. Il faut que j'essaye. Voilà. Ensuite, j'ai pris des tampons comme ça avec des fleurs. Ce sont des pissenlits avec des oiseaux. Avec des oiseaux. Et ça s'ouvre comment ce truc-là? Ça s'ouvre pas. Et tu vois pas. Alors, les oiseaux. Je voudrais juste vérifier un truc. C'est celui-là, je voulais vérifier. Ah oui, c'est bien. J'avais peur, c'est un tampon partout. Alors, les oiseaux. Voici les oiseaux avec les fleurs de pissenlit. Ça, avec les qui s'envolent, c'est super chouette. Voilà, ça, je ne sais pas dire. Je ne sais pas ce que c'est comme oiseau. C'est les fleurs de pissenlit aussi, ça. Ouais, c'est des fleurs de pissenlit qui sont avant d'être comme ça. Trop bien, j'aime bien. J'aime bien. Ça peut être sympatoche. Voilà. Et le quatrième et le dernier. Alors là, celui-là, je vais être fan. Mais plus que fan. Mais alors, voilà. Pour ceux qui me connaissent, ils diront, bah, c'était évident. Hein. Bah oui, c'était évident, mais bon. C'était évident. Alors, est-ce que c'est des tout petits ou est-ce que c'est... Ah, c'est un tampon complet là. Alors attendez, je vérifie avant de dire des bêtises. Ah ouais, d'accord. Alors là, c'est un tampon complet. Je vais l'essayer de suite. Alors, je vais prendre une feuille... Ça passerait, ouais. Ok, alors on va essayer avec du noir. C'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors par contre, comme je n'ai pas de surface pour pouvoir, je n'ai pas de comment dire, ça colle. Ah, il va être noir tout de suite, c'est pas grave. Ah, je l'ai mis sur mon bureau, j'aurais dû faire prendre mon truc, c'est pas grave. Je n'ai pas de plaque pour pouvoir... Voilà, j'encre bien. Il faut que je l'a. Je ne sais pas comment après. C'est pas grave. Je pense que celui-là, vous allez le voir sourd. Alors, comme j'ai pas de truc là, comment dire, je sais pas comment je vais m'y prendre. En fait, il me faudrait une plaque. Bon, je demande à mon père qu'il me fasse une plaque. Wow. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Je vais le laver tout de suite. Là. Voilà, des petites libellules. Sympa. Hein, ah ben, je vais le garder, ça. Je vais faire un tag avec. Voilà. Ça, c'était donc ma petite commande chez Timu. Chez Timu, petite commande. J'en ai pas eu pour trop cher parce qu'en fait, j'avais demandé un remboursement d'un truc. Et donc, du coup, j'en ai eu pour pratiquement rien. Voilà, ça n'a pas coûté, cher. Et ça, il va falloir que je lave. Donc, je vais le laver. Je vais poser là, pof, pour ne pas en avoir partout. C'est pas dans mon sens. On sait rien, c'est dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens, c'est comment? Ok. Voilà, donc plaque, 4 plaques de tampons. Donc celle-là, elle est complète. Celle-là, ce sont des petits tampons qui sont séparés. Et puis, bah, j'ai mis mes petits stickers. Voilà, super sympa. Alors ceux-là, c'est pareil, ça, je vais m'en utiliser bientôt. Et là, ce sont donc tous mes sentiments qui sont en anglais. Voilà, voilou pour cet unboxing de chez Timu. Petit colis que j'ai reçu aujourd'hui. Il a été très vite arrivé. Je crois qu'il a mis peut-être une semaine.
Voilà. Allez, moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.